La capitale soudanaise, déchirée par la guerre depuis mi-avril, a connu une coupure des communications pendant plusieurs heures vendredi. Selon des habitants, alors que l'armée et les forces paramilitaires se livraient à d'intenses batailles à travers Khartoum. Les connexions d'Internet et de téléphonie mobile, essentielles pour obtenir des informations et des fournitures pendant près de 3 mois de guerre, étaient hors service. L'origine du dysfonctionnement n'était pas immédiatement claire et certains réseaux mobiles ont été rétablis vers 11h, heure locale, selon les habitants. Selon les Nations Unies, plus d'1,5 million d'habitants de Khartoum ont été contraints de fuir les frappes aériennes, les chars et les combattants dans les rues et les pillages endémiques. La Cour pénale internationale a déclaré qu'elle avait ouvert des enquêtes sur des crimes de guerre présumés après la multiplication des rapports faisant état d'atrocités, en particulier au Darfour.